Europe 1, faites entrer l'invité. Enfin, la qualité. Mathieu Noël. Ne vous avancez pas trop, Jérôme. Alors, Mathieu Noël, pour préparer votre chronique sur Maxime Le Forestier, cher Mathieu, vous ne vous êtes pas contenté de réécouter bêtement San Francisco, vous avez mené une véritable enquête. Oui, cher Maxime, je pense qu'il est temps de jouer franc jeu. De toute façon, les faits sont prescrits. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais enfin lever le voile sur ce qui s'est vraiment passé dans cette maison bleue. Nous sommes, Michel, nous sommes le 12 avril 1972 oui. sur la côte ouest des États-Unis. Mmh. À l'époque, l'Amérique est dirigée par l'irréprochable président républicain Richard Nixon, qui doit faire face à une redoutable menace intérieure, les hippies. Leur mot d'ordre: baladons-nous joyeusement la bite à l'air. Oui, à leur tête, une jeune Française qui deviendra quelques années plus tard la voix d'Europe 1. À San Francisco, les dealers de marijuana la surnomment alors July. C'est elle qui fournit la maison bleue en substances illicites. Mais non, pas du tout. Et si, Julie. Pourtant, les faits sont là. Les faits sont là, Julie. Au début des années 70, la Maison Bleue devient le repère de tout ce que San Francisco compte de dépravés. Parmi eux, un chanteur français qui, sous ses airs timides, est peut-être le plus dangereux de la bande, Maxime Le Forestier. Recherché dans tout le pays pour vol, incendie, dégâts des eaux, responsabilité civile et concubinage avec une jument. Mais... Ah bah, c'était la folle époque. Oh, c'est sa passion des chevaux, c'est ça. À l'époque, c'est ça, la voilà. Celui qu'on appelle alors Max the Forester brille plus par son casier judiciaire que par sa discographie. Faut dire que la Maison Bleue exerce sur lui une influence terriblement néfaste. Dans ce lieu de perdition, les âmes les plus pures sont irrésistiblement perverties par la drogue et l'amour libre. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Michel D. Ce jeune journaliste français venu faire un stage à la rédaction du San Francisco Post en 1968 et qui a fini tenancier de l'Alcatraz, un sonaguet du centre-ville. J'aime quand on m'enduit d'huile. Et ce, après avoir été converti aux vertus médicinales des plantes par ses colocataires de la Maison Bleue. Vous vous souvenez, Michel? Pendant 4 ans, j'ai vécu la caquette en l'air. Oui! Oui, vous êtes nostalgique! Et c'est bien normal. Vous êtes sur Europe 1, toujours. C'est bien normal. Les années 70, c'était la liberté. Bon, évidemment, quand même, de temps en temps, la police faisait une descente. La Maison Bleue a ainsi connu quelques perquisitions. Qu'est-ce que c'est que ça? Du crack? Du LSD? Donnez-moi ça tout de suite, je vais le faire analyser à Montluçon. Heureusement pour les hippies, Montluçon est très loin de San Francisco. Et les analyses ne sont jamais arrivées au labo. Néanmoins, un jour, la justice a fini par vous rattraper. C'était un après-midi comme les autres. Michel Drucker rentrait de l'Alcatraz dans sa Cadillac rose décapotable à suspension hydraulique variable. Je suis le maître du monde. Quand soudain, malgré sa discrétion, il a attiré l'attention d'une patrouille de police. 40 ans plus tard, le sergent Pepper du comté de Santa Monica n'est pas prêt d'oublier. Le sergent Pepper du comté de Santa Monica n'est pas prêt d'oublier cette interpellation musclée. Ah, c'est un peu la routine, à part les combats de personnes âgées et les partouches géantes, on a rarement des problèmes dans la région. Il est 14h lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 une voiture qui roulait très lentement. Elle roulait lentement, un peu comme ma femme quand elle n'a pas été à la selle depuis 6 mois. Oh. Paix à son âme. C'était la Cadillac de Michel Drucker. Michel, qui en sortant du véhicule a tenté de s'expliquer, en vain. Les policiers lui passeront les menottes suite à des propos qui, sortis de leur contexte, pouvaient effectivement prêter à confusion. J'ai un gros pistolet. Oui. Après l'Alcatraz, le sonaguet, Michel va découvrir Alcatraz, la prison. Beaucoup moins drôle que le sauna. À Alcatraz, les journées sont longues et les douches sont courtes. C'est pourquoi, avec quelques co-détenus, Michel décide un jour de s'évader. Malheureusement, le plan élaboré par son camarade de cellule, Charles Manson, présente des risques. On va être obligé de passer par derrière. Tu sais, par ce tunnel tout sombre qui sent pas très bon. Bref, l'opération n'a pas été une partie de plaisir, mais finalement, au prix d'un certain nombre de sacrifices que la pudeur m'empêche d'énumérer ici, vous avez retrouvé votre liberté. Vous avez sauté dans le premier avion pour Paris, et depuis, chaque fois que vous entendez San Francisco, votre cœur se serre, entre autres. Et chaque matin, devant le miroir, en vous préparant, vous constatez qu'il est loin, le temps des pattes d'eff et des colliers de fleurs, que vous avez inexorablement sombré dans le conformisme. Admettez-le, Michel, ne serait-ce que votre look, vous êtes embourgeoisé. Tu sais pas où j'ai mis mes boutons de manchette en étoile? Ceux que j'ai portés à la foire aux asperges de Tigy en février 95. On n'a aucune idée, Michel, on s'en fout. Bref, Michel a perdu ses boutons de manchette. Quant à July, il y a longtemps qu'elle est rentrée dans le rang, qu'elle a dit adieu aux frissons des amours collectifs. Et aujourd'hui, quand elle écoute San Francisco sur sa platine 45 tours, San Francisco, c'est la version de Frédéric François, comme quoi c'est moche de vieillir. Mathieu Noël, c'était pour toi, cher Maxime.